pas inquiéter pour l'instant les Iraniens, ils résistent bien derrière. Alors, pour l'instant, ils se mettent en place, mais c'est vrai que ce Bokhedi qui est la tour un petit peu de l'attaque est constamment recherché par ses partenaires. Pardo. S'appuyer sur Guillermo Franco, argentin de naissance et qui a pris il n'y a pas très longtemps la nationalité mexicaine, sa terre d'accueil. Il y a du ballon, on voit les Iraniens qui s'en sortent facilement techniquement. En jeu à Chemin sur cette ouverture d'Aliday. Ils sont à prendre très au sérieux, hein, la preuve sur cette entame de match. N'était pas en jeu, alors que le jeu de touche a besoin de se chauffer aussi. Pineda. Mardavikia. Derrière avec Golmo Amabi. Redzai. Nosrati. Hachemian, encore un appel là, dans la diagonale, un appel croisé d'Hachemian qui empoisonne un petit peu la défense mexicaine. Marquez qui est présent dans les duels, c'est le deuxième duel qui remporte en premier round toute la qualité du joueur de Barcelone, Alex Monégasque. Salcido. Joulant vers Borghetti, ils peuvent créer le danger dans ce secteur, les Mexicains. Là, il y a faute sur Nekunam. Borghetti qui demande du soutien, là, c'est la deuxième fois qu'il arrive à prolonger le ballon sur des ponts transversales. Il demande le soutien de ses partenaires sur ses remises. Rabi, Mardavikia, Rabi, Temurian, Nekunam, Aliday dépossédé du ballon. Et là ils sont à 3 les Mexicains pour attaquer avec Omar Bravo qui a un petit peu manqué sa conduite de balle. Ça permet à Mirzapour, le gardien iranien, de toucher ce ballon et d'envoyer un long dégagement. Attention, coup de sifflet de M. Rossetti, oui, il y a eu les deux.